Petit matin au terminus de Tervuren. C'est avec la motrice 7777 et en compagnie de quelques voyageurs très matinaux que nous débutons notre visite du réseau des tramways bruxellois. Nous sommes sur la ligne 44, établie entièrement en site propre. Elle traverse la célèbre forêt de Soignes, qui couvre aujourd'hui 4000 hectares. C'est le vestige de l'immense forêt charbonnière qui s'étendait au sud de la capitale, de la Sambre à l'Escaut. Entre futaies de chênes et de hêtres, à l'écart de toute circulation automobile, elle nous permet d'arriver rapidement en ville. Bruxelles, la capitale fédérale de la Belgique et de l'Europe, est le siège de plusieurs institutions européennes. Beaucoup de voyageurs rejoignent la capitale en trains régionaux. Le londonien y arrive en Eurostar et le parisien en Thalys. Ils descendent ici, en gare de Bruxelles Midi. C'est la plus grande gare du pays, où 150 000 personnes transitent chaque jour. C'est aussi l'un des points principaux du réseau urbain. On y trouve des correspondances entre des lignes de tram et de métro, en sous-sol, et d'autres lignes de tram et de bus, en surface. La STIB, Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, a été fondée le 1er janvier 1954. C'est le successeur de la société anonyme Les Tramways Bruxellois. En 2006, elle exploite un réseau de 18 lignes de tramways à l'écartement normal de plus de 200 km de long, 3 lignes de métro et 45 d'autobus. La STIB dessert les 19 communes de la région bruxelloise et 11 communes de la périphérie flamande. Elle est la plus importante société de transports urbains du pays. 292 motrices sont en service aujourd'hui pour exploiter ce grand réseau. Ce parc s'agrandit progressivement avec la livraison des nouvelles voitures à plancher bas de type 3000 et 4000.